Salut, c'est Wendy, c'est aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle session du Let's Play de Paper Mario, la porte millénaire sur Switch. Donc, dans la dernière session, qu'est-ce que nous avions fait? Eh bien, on avait commencé le chapitre 2, donc on a commencé donc les bois insolites, je crois que c'est ça, hein, le nom de cette zone, si mes souvenirs sont bons. Y a pas une touche pour aller directement à la... À la carte? Ah oui, mais non, la carte est là, ok. Oui, les bois insolites, c'est ça. Et donc, on a récupéré, après un combat contre l'obscur trio, on a récupéré donc le collier de Dame Cumulia, qui est maintenant notre nouvelle partenaire, hein, donc qui va pouvoir mettre de faire... Elle est soufflante, comme ça, on va dire. Et qui va nous permettre, normalement, de débloquer le passage secret vers le grand arbre. Leap numéro 1. Les échos de Port-la-Canaille. Les dernières nouvelles de Port-la-Canaille. Hier, le casino du centre-ville a été le lieu d'un incident sans gravité. Gumléon, révolté par le prix de Pianti, a activé le système d'alarme lorsqu'il s'est mis à secouer violemment le changeur de pièces. Don Pianti, provoquant ainsi la fermeture temporaire du casino. « Je ne sens pas la douleur parce que je suis une machine, mais ça me rend triste », a déclaré Don Pianti. « N'oubliez pas, le casino est un lieu de récréation. » La chronique des boutiques. La rubrique qui vous présente les boutiques d'ici et d'ailleurs. Cette fois-ci, je parlerai de la boutique de Sol d'été, à Carafleur. Il se consacre à sa boutique depuis 20 ans maintenant. C'est un célibataire endurci, mais il paraît qu'il serait au mieux avec la demoiselle de l'auberge voisine. Quelques mots de ce fin lascar. On n'a qu'une vie, alors profitons-en. Mon magasin est toujours ouvert. La cuisine pour tous. La rubrique des recettes délicieuses est facile à faire. Voici donc le champifri, un plat aux champignons que l'on fait en un tour de main. Faites sauter un champignon bien assaisonné et c'est prêt. T'entends, non? Mot de la rédaction. Finalement, le premier numéro est sorti. Vivement le prochain. Et en fait, à chaque, vous aurez des petites informations qui peuvent être intéressantes. Des petites recettes aussi qui sont données comme ça, par-ci, par-là. Par exemple, en parlant de recettes, vous avez la liste des recettes qui sont ici, que vous avez déjà fait, avec aussi les ingrédients qu'il vous faut. Donc voilà, un champi-vie ou un champi-récup pour un plat de marité. C'est un champi braisé, ouais, voilà, c'est ça. Vous avez, voilà, le tekupa, le jus de fruits et le ciraté, en sachant que vous avez 58 recettes à faire dans le jeu. Galerie sonore. Ah, on a quand même débloqué le chapitre 1, d'accord, très bien. Parce que, voilà, chose qu'il faut savoir, c'est que on peut débloquer, donc... La galerie sonore de chaque chapitre, en trouvant en fait tous les soleils et tout. Trouve tous les soleils du même chapitre. Donc en fait, il faut trouver tous les soleils de chaque chapitre. Et vous avez la galerie d'art. Oui, là, il faut trouver tous les morceaux d'étoiles cachées de chaque chapitre. Donc, nous revoilà au grand arbre. Et donc, on se met ici, on souffle. Et donc, voici l'entrée secrète. Youpi, l'entrée secrète. Avec ça, je peux rentrer. Les punis sont de braves petits, Mouy. Tu ne le sais pas, chérie. Il y a encore peu, j'étais une star de la scène. Dame Cumulia était un nom que nul n'ignorait de par le monde. Mais derrière le strass se cache un milieu bien sombre. Bah, c'est un monde d'adultes, chérie. J'ai fini par me lasser de ce milieu-là, et je suis venu ici. Seulement au contact du cœur pur des ponies qui vivent ici. Moi aussi. Je sens revivre ce cœur qui, autrefois, ne battait que pour devenir actrice. Et j'ai réalisé que j'adore la scène plus que tout au monde. Je voudrais remonter sur scène, baigner à nouveau dans le feu des projecteurs. Et je remercie du fond du cœur les petits ponies de m'avoir fait réaliser cela. Mario ?
J'ai pu ouvrir de l'intérieur, par ici, par ici. Allez, il est temps de payer de retour les mignons. Les mignons ponies. On y va, Mario chéri? Je me souviens pas qu'elle nous appelait Mario chéri tout le temps. Mais... ok. Donc je reprends Goumélion. Vite, vite, on rentre, Mario. Ah oui, c'est vrai que maintenant, pour fouiller les... ces trucs-là, il faut forcément les taper, c'est vrai. Hein? C'est bizarre, d'habitude, ils sont toujours là, mais... Ohé, grand-mère, ohé, tout le monde, montrez-vous, quoi. Ohé! C'est quoi ce refus? Comment vous êtes entré ici, d'abord? Hé, ce type, ce serait pas Mario? Quoi? On va lui faire sa tête. Mais, cru que serait-ce à dit de le prévenir tout de suite si on trouvait Mario? Non mais, quel crétin! Si on élimine Mario, on sera des héros! Ah ouais? Alors on lui fait sa fête? On lui fait sa fête. Et donc, nous voilà contre... des Cruxis. Des Cruxis. Oui, ça doit se dire comme ça, je pense. Donc je tue le premier, comme ça je suis tranquille. Et on va faire le petit indic sur le deuxième. C'est un Cruxitroufillon. Les troupes régulières des méga Cruxis. Je sais que ce n'est pas gentil, mais ce sont vraiment les Pékins de base. Point 4, puissance 3, défense 0. Ils ont des potions bizarres pour devenir grands, mais sont insignifiants pris un par un. Dangereux en groupe, expédie-les vite à l'aide de tes partenaires ou d'objets. Bon, attention, je vais essayer de contrer. J'ai complètement loupé. Ok. Bon sang, on se reverra. La prochaine fois, on ira tout de suite prévenir Cruceros. Il n'y a que toi, Mario, pour aplatir ces idiots comme ça. Mais je me demande où tout le monde est passé. Peut-être qu'ils ne sont plus ici. Pourquoi est-ce que tu te cachais? Allez, sors de là, j'ai ramené un allié super fort. Il est grand. Ce grand moustachu est venu nous aider? Ah, vous aussi vous étiez là. Il est grand, oh là là, Pouni Pouni, danger, moustachu, j'ai peur, lézardvi. Ne vous inquiétez pas, Mario est notre ami. Mario va nous débarrasser de tous les types comme ceux de tout à l'heure. Je vais faire la présentation, ça c'est... Stop! On sait pas si ce type est vraiment notre allié. Hein. Si ça se trouve, ce type est peut-être un espion. Hein. C'est ridicule, Ponybo. Mario n'a aucun lien avec ces types. Il est venu nous aider. En s'y mettant à tous, on peut le mettre dehors. Et puis après, on récupérera notre maison, le grand arbre. Ah, arrête de faire ton chef et de la ramener, Ponyo. Pendant que t'étais parti je sais pas où... Tu sais ce qui nous est arrivé ici, hein? À ce propos, où sont tous les autres? Ils se sont fait avoir, par ces saptipes. Grand-mère aussi, tout le monde. Et puis, ils ont aussi chopé ta petite sœur. Non, Ponita, c'est pas vrai. Si, ils les ont tous emmenés. Tout ça parce qu'ils ont pas dit où se trouvait le truc étoile. On n'en sait rien de leur bidule, nous. Oh non, Ponita. Alors on n'a qu'à tous se rassembler et à les sauver. N'importe quoi, tu rêves pas un peu, là? Je sais pas qui il est ni d'où il vient, mais je me fiche du papy moustachu.
Ne dis pas ça, si on n'essaye pas, on n'y arrivera jamais. Et en s'y mettant tous, je suis sûr qu'on peut surmonter n'importe quoi. Alors il faut qu'on soit tous soudés. Peu, si tu y crois vraiment. Tu veux pas nous montrer à quel point ton papy moustachu déménage? Si toi et ton papy moustachu arrivez à ramener le reste de la tribu, j'accepterai de vous aider. De toute façon, vous n'avez aucune chance d'y arriver. On va le faire. Hein, Mario, tu viens avec moi, on va sauver tout le monde. Et donc, c'est parti pour le grand arbre, tout simplement. Ouais, si, je vais quand même régène, comme ça je suis à fond. Et donc, c'est parti. Donc, la porte, nous ne pouvons pas la prendre, parce qu'elle a été fermée suite au départ des autres Cruxis. Alors là, on a vu quelque chose d'intéressant. Ici, vous voyez, on a cette... Là, on a un morceau du sol qui bouge. En fait, plus tard, ça sera pour débloquer en fait des morceaux étoiles qui sont cachés dans le sol, comme ça. Un pouce vite augmente la taille d'un membre du groupe et augmente sa puissance. Donc ça, c'est l'inverse du mini-mini là, qu'on avait vu dans la précédente session. Et donc ici, nous avons un nouvel ennemi. Le Cruxiver, un monstre créé par les Méga Cruxis. Vainqueur Max 3, puissance 2, défense 0. Quand il a des mini Cruxivers autour de lui, il n'est pas affecté par nos attaques. Il faut d'abord éradiquer les mini Cruxivers avant de s'en prendre à lui. Ah ouais, il fait quand même 3 de dégâts, ouais, c'est vrai. C'est quand même galère. Alors... On a aussi les mini Cruxivers. C'est un mini Cruxiver. Il protège les Cruxivers. Il y en a 2 au maximum. Rocker Max 1, défense 0. Les mini Cruxivers ne t'attaquent jamais directement. S'il est là et que tu attaques le Cruxiver, même avec un objet, aucun dégât. Élimine d'abord les mini Cruxivers, puis le Cruxiver. Je recommande qu'humilier. Et on a le bingo de merde. Ça va. Donc celui-ci, faut le louper, hein, parce que sinon, vous prenez des dégâts. J'ai voulu le contrer. Malheureusement, c'est pas passé. Bon, en vrai, avec Goumeli qui est amélioré... On fait quand même pas mal de dégâts. On fouille tous les buissons au cas où pour vérifier. Et je propose qu'on joue un peu Cumulia pour vous, pour que je puisse vous la montrer. Oh. Je me suis fait avoir. Et donc Cumulia, donc écrase tout ou ouragan, donc écrase tout, vous allez voir, vous avez en fait une cible. Il faut la laisser à l'intérieur. Parfait, comme ça on a le Cruxiver qui est parti. Et donc voilà, en fait, comme indiqué, ils peuvent utiliser des potions pour s'améliorer, ces ennemis-là. Donc il faut faire attention. Alors, c'est un peu compliqué parce que le stick est un peu sensible quand même pour diriger la croix.
Ok, parfait. On peut continuer notre petit chemin. Mais, grand-mère! Oh, mais on dirait le... Ah, alors attendez, j'aurais voulu le faire, mais comme je vous ai dit, j'ai des difficultés à faire les voix maintenant. Oh, mais on dirait le petit Pugno. Tu as l'air en pleine forme, dis donc. À propos Pugno, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu n'as pas l'air tellement stressé. Je suis venu vous sauver. Oh, c'est vrai, c'est gentil, ça. Seulement, je veux que tu sauves les autres avant moi. Les autres sont aussi ici? Oh, mais oui. Ils ont enfermé les ponies dans la cage. Malotrus. Maltraités. Les vieux. Ainsi, c'est des façons. Au fait, tu disais... Oh, mais oui. Ils ont... Et après, elle reprend. Grand frère? C'est mon grand frère qui parle? Punita, tu es là? Tu es vraiment venu, grand frère? Bien sûr, j'ai ramené un ami super fort. On va vous sortir de là en un clin d'œil. Sois patiente. D'accord, courage, grand frère. Mario, il faut qu'on trouve les clés de la cage. Alors, juste vérifier. Bon, là, il y a une petite pièce, ok. Pas grand-chose d'intéressant. Oh, quand on va trouver cette gemme étoile? Les ponies qu'on a capturées n'ont pas l'air de savoir grand-chose non plus. Oh, le pire, c'est que je me suis retrouvé coincé à garder cette stupide clé. Je suis crevé. Si je ferme les yeux, même rien qu'un peu, je vais m'endormir en sursaut. Tiens, le hasard nous voit à nouveau réunis. Oui, une de tes amies, chérie. Oh, coquin de Mario, on ne peut pas te laisser 5 minutes tout seul. J'ai entendu des rumeurs à propos d'un ravissant badge ici. Dans le grand arbre, alors me voilà. J'espère que nous rencontrerons à nouveau. Oui, quelle audace. Oh Mario, tu leur tournes toute la tête, vilain garnement. Ah, j'oubliais, la gemme que vous convoitez serait enfouie sous ce grand arbre. Avec un peu d'effort, vous devriez le trouver avant ces grands escogriffes. Pour couper court et en guise de au revoir, mis à mort. À la prochaine fois. Oh là là, je ne suis pas du genre jalouse, mais quelle séductrice, celle-là. Eh, qui êtes-vous? Ah, c'est donc vous qui m'avez assommé. Je vais vous le faire payer, et cher. Donc voilà. Nous, on se tape le combat, hein, bien sûr. Bon, il est tout seul, hein. Clairement, tranquille. Ok, parfait. Et donc, nous obtenons la clé de la cage rouge. Et... Ah oui, un ultra champignon déjà ici, oui, c'est vrai. Donc, bah, on n'a pas trop le choix, on va devoir libérer la grand-mère. En premier, vu qu'on n'a que cette clé pour le moment. Grand-mère, nous sommes venus te sauver. Imbécile! Pugno, assois-toi ici. Mais, comment ça? Là? Pourquoi? Mais, on est venu pour te sauver? C'est quoi ces pony-pony? On écoute ses aînés? Imbécile! Et en voilà des façons de laisser sa petite sœur toute seule pour aller s'amuser. Hein? Mais,
puisque je te dis, je suis allé chercher. Et c'est tes Pony Pony. Si tu n'écoutes pas les gens jusqu'au bout, tu ne sauras jamais ce qu'ils disent. Si tu ne surveilles pas tes manières, tu resteras toujours un petit pony. Tu représentes le futur de la tribu. Tremble, et le futur tremble avec toi. Pense à l'avenir. Alors, hein, tu m'écoutes? Une heure plus tard. Bien, je compte sur toi pour redresser la barre. Oui, oui, j'ai compris. Ne répète pas. En fait, Pugno, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Puisque je te dis, je suis venu pour sauver tout le monde. D'abord toi, grand-mère, mais bon... Qu'est-ce que tu dis? Si c'est comme ça, je sors tout de suite d'ici. Il fait bien trop froid et ma hanche me fait mal. Ah là là, elle est déjà partie. Elle n'a pas changé. Ah, j'oubliais. Ne panique pas, Punita. Je te sors tout de suite de là. Oui, grand frère, pas de problème. On doit aussi trouver la clé de la cage bleue, hein, Mario? C'est son nom demandé à la matriarche si elle a des infos. En espérant qu'elle nous épargnera ses explications à rallonge. Donc, on est reparti. Donc là, pas besoin de faire tout le tour, hein. On peut descendre comme ça. Mince. J'avais appuyé sur la touche R sans faire gaffe. Pugno. Puh. À vrai dire, je pensais pas que tu arriverais à sortir grand-mère de là. Tu vois, je te l'avais bien dit. T'emballe pas, j'ai pas dit que j'allais avaler ton baratin. Et ça veut pas dire que je fais confiance au papy moustachu. T'as toujours pas sorti de la cage le reste de la tribu. Pas question que je te donne un coup de main tant que tu ne les as pas sauvés. Imbécile! J'ai vraiment honte d'entendre dire une chose pareille. Ces soldats bizarres suffisaient pas. On doit encore se coltiner et pic-pic qui viennent filer un coup de main. Il faut que nous nous unissions pour inverser ces mes indésirables. C'est hors de ta portée? Quoi? Les pic-pic ont rejoint les rangs des bandits? Mais alors, c'est peut-être eux qui ont la clé de la cage bleue. Bah, ne vous faites pas de mouron, Ponybo et Pugno. Toi aussi avec ce moustachu. Quel est son nom déjà? C'était pas Mariole? Mario, c'est Mario. Reprends-toi, grand-mère. Oui, oui, nous allons tous nous mettre avec ce Mario et chasser ces intrus. Que compris. Si grand-mère le dit, alors il n'y a pas le choix. En fait, moi aussi, je me faisais du souci pour Punita. Allez, vous pouvez compter sur moi, on s'y met tous. Allez, Pony, pour la tribu. 10 autres ponies ont rejoint le groupe, vous avez 11 ponies. Merci beaucoup. Merci à tous. Pendant que nous y sommes. Nous cherchons une pierre appelée Gemme Étoile. Ne sauriez-vous pas... Comment? Une Gemme Étoile? Peut-être. Cachée dans le tréfonds du grand arbre est une gemme de couleur étrange. Des méchants l'a protégée, à un cœur pur l'a donnée. C'est une histoire transmise de génération en génération. Ce ne serait pas votre Gemme Étoile? Mariole la moustache. Je veux croire que tu es l'être au cœur pur de nos légendes. Il n'y a rien de sûr, mais je pense que trouver la gemme est liée au sort de notre tribu. Bien, la gemme étoile se trouve au-dessous du grand arbre. Oh, attends un peu, j'oubliais une chose importante. Pour obtenir la gemme, il te faudra libérer le reste de la tribu. Il est dit qu'on ne peut arriver jusqu'à la gemme sans la tribu au complet. Tiens, prends ça avec toi. Le symbole du guide Pouni. La Pounibulle. Enchâsse-la dans un des piédestaux que tu rencontreras sur ton chemin. Et tous les Pounis se rassembleront devant lui. Quand tu auras fini de t'en servir, n'oublie surtout pas de la rapprendre. Sinon, les Pounis resteront coincés devant le piédestal à jamais. Et donc voici la Pounibulle, un cadeau de la matriarche. Quand on l'insère dans un des piédestaux, prévu à cet effet, les ponies se rassemblent devant. Allez Mario, on doit d'abord libérer le reste de la tribu.
Et donc... Ah oui, encore une chose. Désolé. Ces derniers temps, les trous de mémoire s'aggravent. Enfin, pendant que tu recherches la gemme étoile. Si tu perds des ponies et que tu ne les retrouves pas, reviens me voir. Je n'aurai qu'à me fâcher un peu et zou! Les ponies perdues reviendront ici. Tu as bien compris, hein ?